Salut à tous, on se trouve du coup au nord de Los Angeles et on va essayer de te faire une petite vidéo pour te montrer un peu Los Angeles en journée en passant par des quartiers comme Downtown, comme Compton. On ira aussi un peu plus dans le sud et peut-être même vers East LA. Voilà, c'est parti, j'ai trouvé une bagnole, je mets de l'essence dedans et on y va. Allez zou. Wouah, 90$, ça a fait clac. Bon bah, abonne-toi parce que ça, à mon avis, ça va partir à peu près dans la journée vu la conso de la Lincoln. Et au moins, c'est gratuit le caddie, ça consomme que dalle. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, sur Los Angeles, c'est que ça a un petit peu perdu, tu vois, en termes d'authenticité. On voit plus autant de taxis jaunes, par exemple. Pourquoi? Parce que ça a été remplacé par les Uber, machin et compagnie. Et surtout, le quartier où je suis, il n'y a pas forcément beaucoup de voitures américaines. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a énormément d'Arméniens, de Russes, de Juifs, etc. Et la classe, c'est de rouler en européenne. Ici, un mec qui gagne bien sa vie, bah, franchement, il va rouler avec une Rolls Royce, un Class G, Mercedes, machin ou quoi. Et on va y trouver beaucoup de triple black, tu vois, triple black, la mafia russe, machin, etc., qui roule avec des BMW ou des Mercedes noirs, vite noirs, intérieur noir. Et bah en fait, ce que j'aimerais bien te montrer, ce serait d'autres quartiers un petit peu, comme par exemple Compton, qui est très connu, Watts également, etc. On va retrouver des trucs un peu plus authentiques dans ces coins de Los Angeles. Alors, c'est parti, on va se taper du bouchon, des rues, des grands boulevards, on va rouler et cramer de l'essence. Regarde la voiture qui est devant, c'est assez commun ici, tu vois le petit Range Rover. Et en fait, la plaque d'immatriculation, bah, c'est comme j'ai là sur la Lincoln, c'est un écran, ce qui t'évite du coup bah, de faire les démarches administratives en ligne. Et également, en fait, si on te vole ta voiture, tu le signales direct et sur la plaque, c'est marqué volé. Bon, ça empêchera pas certains de rouler avec, mais voilà, en tout cas c'est quand même assez pratique l'histoire. Et tu peux marquer des petits messages personnalisés dessus et tout. C'est le petit modèle, le 3.5 injection avec le petit diffuseur à l'arrière. C'est bon. Gaga, il est content, la lame carbone et tout. Bon, je crois que c'était une sorte de d'hydro-dipping. Alors en fait, ici, tu as la classe ou tu n'as pas la classe. C'est-à-dire, tu peux avoir un Range Rover, mais si tu as un Range Rover, ça ne sert à rien. Il faut que tu aies le Range Rover autobiographique, c'est-à-dire le plus cher des Range Rover, la finition extrême. Et ça, c'est valable aussi, par exemple, sur les GMC. Si tu veux avoir la classe en GMC, il te faut le GMC Denali ou le Platinum avec les signes GMC qui sont écrits en noir. En fait, là, franchement, on est dans des quartiers où il y a un peu d'oseille, tu vois, un peu beaucoup même. Et bah justement, on va se diriger sur d'autres quartiers parce que Los Angeles, c'est pas que Los Angeles, les palmiers, les stars, machin et tout. Ça, c'est que là, face. Bon, on est sur Hollywood Boulevard, tu sais là où il y a les étoiles. Et lui, il est pas content. Lui, il crie. Il est pas content. Donc on est sur Hollywood Boulevard et si tu veux une petite étoile comme il y a ici, et bah faut compter 60 000$ mon ami. Hollywood Boulevard, Chinese Theater, là où il y a toutes les avant-premières de films, machin et tout, c'est là, c'est beau. Il y a aussi les contours de plaques qui sont très importants. Donc les contours de plaques peuvent indiquer si tu as été ou si ton fils est à l'université de Los Angeles. Mais ça peut également te servir de passe-droit et encore une fois de statut social. Par exemple, une plaque 9911, tu vois, 9911, ça va montrer que tu étais ou que tu as des amis qui sont dans la police. Et en fait, si ce contour de plaque est noir, par exemple, c'est que tu vas donner 2 000 $ à l'année dans donc cette association, ok,
Et si ta plaque est par exemple de couleur bronze, c'est peut-être 10 ou 15 000 dollars. Si ton contour de plaque est de couleur or, c'est que là, tu as donné 25 000 dollars ou plus à cette association. Et en gros, bah, tu soutiens les flics. Donc, si tu brûles un feu ou un truc comme ça, que tu te fais arrêter par la police, le mec, il va mater le contour de plaque, il va dire « Ah, c'est peut-être pas le gars emmerdé, peut-être il connaît du beau monde, il nous soutient, donc bah, vas-y quoi, roule. » Après, si t'es dans une Lincoln Town Car noire, vite noire, et que tu as une allure de gangsters, bah, là, ça risque un peu moins de passer. Surtout si tu conduis sur des boulevards où il y a beaucoup de Mac, puisque la Lincoln Continental est un petit peu connue pour ça quoi. Moi j'aime bien parce qu'il est très confortable. Franchement ça déchire. Donc là voilà, et bim, on change d'autoroute. Et bim, c'est encore bouché. Regarde comment c'est bouché. Tu m'étonnes que les mecs ils soient avec des Tu m'étonnes que les mecs ils soient avec des sodas et compagnie dans leur bagnole. Et encore c'est pas comme le Mexique. Il y a personne qui se rue sur la route pour te vendre des conneries, genre des chargeurs de téléphone, des machins et tout ça quoi. Problème, tu vois, qu'on a pour visiter des endroits, etc., c'est que ça va être les bouchons. Genre, pour faire parfois 10, 15 km, même pas, tu vas mettre une heure et demie facile. Là, on est pas loin du centre-ville de LA et c'est blindé de chez blindé. Donc, c'est ce qui explique aussi pourquoi les gens mettent de l'argent dans leur voiture, c'est parce qu'il s'y passe énormément de temps. Tu peux aller du coup au McDo, au drive, tu peux manger en voiture, tu peux aller retirer de l'argent en voiture, tu peux aller à la pharmacie en voiture, tu peux aller faire tes courses en voiture, bref, tu vis dans ta voiture. C'est même d'ailleurs hallucinant parce que même des fois pour faire à peine 50 mètres, vraiment à 50 mètres, le truc il est en face de toi, les gens prennent leur voiture et changent de parking. La voiture, du coup, c'est aussi le gros truc du statut social. Donc, en fait, t'as la voiture, d'accord ? T'as la marque, t'as le modèle. Et après, par rapport au modèle, tu vas avoir la finition. Si t'as le tout option ou pas le tout option. Donc, ça va aller de l'intérieur tissu aux intérieurs cuir, en passant par les finitions sport, les finitions luxe, bref, tout ça. Et après, ça va être aussi la plaque. La plaque d'immatriculation va aussi peut-être indiquer où tu as acheté ta voiture, de quel état tu viens. Et parfois même, tu vas avoir des petites appellations, des petits trucs commerciaux, machin, etc. sur la voiture qui vont dire en gros si tu as de l'argent ou quoi, tout simplement. Donc, la voiture est très importante. Et là, tu vois, bah, on est en plein downtown Los Angeles, donc le quartier des banques et tout. Et tu vas avoir toutes sortes de tentes, de camping, etc. avec non seulement des gens qui vivent dans la rue, mais aussi des gens qui sont drogués, qui sont vraiment plus rien, tu vois, des gens qui vont aller faire caca et tout devant toi, etc. Et ça c'est vraiment impressionnant. Tu as vraiment deux gros quartiers. Tu as les gens qui vivent dans les collines avec des baraques à je ne sais combien de millions de dollars, et les gens qui sont dans d'autres rues avec des tentes de camping ou même carrément à même le sol, quoi. Voilà. Là, tu vois, regarde, par exemple, c'est une bonne, c'est un bon truc là. Là, on a la Toyota Camry, donc la bagnole a quand même 30 000 dollars, d'accord. On va dire la personne moyenne, la personne un peu plus que moyenne avec la Tesla, tu vois. Et là, bim, on a le G63 AMG, s'il te plaît, avec la plaque personnalisée, donc qui coûte encore plus cher à payer. Je crois c'est tous les mois qui payent leur plaque. Vite teinté, machin et tout. Et là, juste ici, on a la mairie de Los Angeles. Voilà. Et là, il n'y a pas de voiture de pauvre, genre le pick-up tout pourrave avec les trucs pour aller jardiner, quoi. Tu vois, là, on change vraiment d'ambiance au niveau du quartier. Alors, ce qui est quand même assez impressionnant ici, c'est que tu as beaucoup de motels sur les longs des routes. Tu vois, il y a des grilles partout sur les maisons. C'est parce que le quartier craint un peu. Et s'il y a beaucoup de motels, c'est parce qu'il y a énormément de prostitution. Donc, c'est tout un business.
En fait, on a le Mac qui fait, on a la prostituée qui est sur le trottoir qui travaille. Par-dessus, on a le Mac qui fait travailler les prostituées. Ensuite, on a des Macs ou des associations criminelles qui dirigent les motels, d'accord ? Les motels, eux, sont tenus par un mec qui est dirigé par ces associations criminelles pour louer les chambres de manière rapide et gagner un blé fou. Et donc, en gros, c'est vraiment toute une chaîne de la prostitution qui fait fonctionner le business ici. Superbe adresse ici à Campton, le famous Louisiana, tu vois, le vrai poulet frit de Campton, et on va manger le fried chicken. Yeah, 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 on est chaud, le fried chicken. La Lincoln, elle est garée là, et voilà, la Lincoln. Tu vois que c'est un peu Gates quand même, les mecs te servent derrière la vitre. Parce que c'est dangerous, tu vois. Waouh, waouh, waouh. Jalapenos, lemon pepper wings. On a des barbecue wings, on a des spicy wings. Moi, je veux le vrai poulet frit. Hi, Glory. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Putain, ils ont même des pieds de poulet. Oh, regarde, les pattes du poulet. Yes. Can I order, sir? Yes. We have one, the combo, the three piece Thank of you. Chicken. You have one big glass like that there. Big glass? Oh, this one, you know, since COVID? COVID, like, you know, we have to take care of to make sure, you know, nobody gets sick. Ah, but this one can resist for the girl or something like that? Yeah, I can take it, everything. Wow, donc en fait, ouais, la vitre qui est là, elle est par balle, tu vois, elle est épaisse comme ça. Juste pour te montrer l'épaisseur de la vitre. Parce que du coup, le quartier est un peu dangereux, donc ils veulent pas se faire agresser. Voilà, voilà. Ah, ok. Thank you. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, yes. Bye. Welcome to America. Yeah, thank you. Can I have another throw, please? Okay. For share the Coca-Cola. Thanks a lot. Have a nice day. Thank you. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a le chicken. On va voir comment qu'il est le combo. Le combo, il vient comment? Le combo. Oh là là. Tu m'étonnes que tous les renois du quartier viennent ici. C'est pas grave, c'est tombé par terre, ça vient de Compton, c'est bon. On a le petit pain genre de maïs. On a les bonnes frites. Et on va manger inside Compton. Eh oui,